Pour fixer la tâche de la remorque, eh bien, j'ai retiré l'écrou standard de la roue. Puis, je me suis fait un taraudage 6 mm pour venir y fixer une vis, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à fixer la remorque sur son attache. Pour fixer l'attache, eh bien, on l'enligne vers ses orifices. On prend un boulon non fileté où j'ai percé un orifice. On insère. Et voilà. Puis on vient terminer le tout avec un crochet de sécurité dans l'orifice que j'ai percé. Ce qui est intéressant de la tâche, c'est qu'elle peut tourner dans tous les sens. Et grâce à ce boulon ici, vous pouvez tourner comme ça, comme ça. Grâce à celui-là, vous pouvez faire une rotation comme ça. C'est grâce à ce boulon-là qu'on peut se permettre de plier le Brompton. Puis, au boulon non fileté, permet une rotation dans l'autre angle. Petite démonstration de la mobilité de la remorque. Tourne à gauche, tourne à droite. Et là, on va plier le Brompton. Et voilà. Et un petit accessoire, c'est le petit panier dépliable afin de mettre l'épicerie. C'est concluant.